Où est-ce qu'on va là? Tout. Voilà, il fait plutôt beau, il n'y a pas la pluie s'est arrêtée enfin. Ouais, parce que tout à l'heure il y avait beaucoup de pluie. Bah oui, il y avait beaucoup de pluie. Ouais, donc c'était pas bon. On va à tout. Maintenant autour de Sephora. Si c'est ici que je préfère faire la même soir. Wow. J'ai peur. Ouais, parce que tout à l'heure tu voulais mettre des coups de pied dans mon téléphone. Oui. Avec ta tête là, vilaine. C'est pour ça que je fais ça. Pas... T'as été méchante quand même, hein. Tu voulais mettre des coups de pied dans mon téléphone en faisant de la balançoire. Coucou, ouais. Ça se balance plus trop là. Bah oui, toi tu sais pas encore faire. Coucou Harold. Quand je vais en haut, mes fesses se soulèvent. Fais attention à pas tomber toi, hein, mademoiselle. Non, c'est bon, si j'ai réussi, je vais tomber. C'est vrai, elle fait fort et Aaron il fait. Oui. Bah oui, c'est moi qui suis obligée de le pousser. C'est comme ça, je me tue. Deux. J'ai sauté. Aaron. Même Aaron, il te dit bravo. C'est quoi cette démarche là? Ah, tu montes bien. Super. Comme j'étais à Tours, j'en ai profité pour passer à grands frais acheter quelques fruits et légumes. Ça va me tenir quelques jours. J'ai des poivrons, des melons et tout ce que vous voyez en image dans la vidéo. Ça va me tenir quelques jours et c'est parfait. C'est pas bon. C'est quoi? Oh. C'est quoi? Faut pas lui donner même toi-même. Mais pourquoi elle est venue chercher elle-même? Oh, va cracher là-bas. Elle a déjà avalé. Qui lui a dit de venir chercher elle-même? Toi aussi avec ta tête là. Chez nous, hein, les grands-mères, hein, on fait tout, même des peu importe. C'est notre petit enfant. Je te promets, des fois même tu as la bière. Hein, tu dis, ah, viens ici, sa mère. Mon fils, il va me dire, mais moi, je dis, où est ton problème? Ça, est-ce que je dis que je donne tout? Je donne juste un peu et puis c'est bon. Parce que des fois, ils sont là. Mamie, c'est quoi, mamie? C'est la bière. Leur montres. Mamie, c'est quoi la bière? Mais pas en cachette quand je leur dis, va déposer. Alors, et comme ils ça, vont sucer. Mais tu n'as pas trouvé une vraie cuillère. Putain. Attends, je vais te donner ça. C'est pour lui donner la cuillère en bois. Que tu vas casser les cuillères. Attends, je vais te donner ça. C'est quelqu'un qu'on appelle Sephora qui a donné la cuillère. Ouais, tu es en train de manger. Voilà, tu vas devenir un enfant. Tiens. Jusqu'à ce que tu aies ta cuillère. Mais là-bas, c'est karma. Voilà. Le soleil, il pique le dos. Hein. On va essayer. Si on essaie le barbecue, tu sors déjà les cuisses de poulet, pardon. Je vais remercier. Je vais bien. Ah, si on va faire le barbecue, ça sera bien pour la chef. Au lieu de mettre dans le four. Regarde l'autre. Pour sa pied, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Pour sa pied, c'est moi qui vais gagner. Attends-moi. Ok. D'accord. J'arrive. Comme si tu peux faire une course à pied en chaussons. Regarde l'autre qui veut courir derrière. Parle-moi ici. Donne-moi, s'il te plaît.
Hello. La maman de la copine de Sephora qui est là. Voilà, ça commence à sécher. Regarde, ça se détache tout seul. Quand ça se détache tout seul comme ça, regarde. C'est déjà sec, donc ça veut dire que je peux enlever. Regarde. Il a activé le chien. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as lancé la caméra? Pourquoi t'as lancé la caméra? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vraiment adoré le premier tome de Sang éternel que j'ai acheté sur Amazon. Et du coup, à peine j'ai lu les 30 premières pages, je me suis rendu compte que c'était très bien. Du coup, j'ai acheté le deuxième tome, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, je l'ai pratiquement terminé. Oui, j'ai un marque-page Dobby. Il me reste à peu près 15-20 pages à lire. Et du coup, j'espère que le deuxième tome va me régaler autant que le premier tome. Je me suis acheté une tronçonneuse parce qu'il y en a besoin en ce moment. Il y a des branches énormes que je n'arrive pas à couper avec le taille-haie ni avec la cisaille. Du coup, j'ai besoin d'une tronçonneuse pour éviter de me faire mal aux petites mains.